La téké au poisson ton frit, ou encore le garba a conquis le palais des Ivoiriens et se met à tirer aussi bien les nantis que les moins nantis. Dans la commune de Cocody comme à Abobo, en passant par Radjamé et Yopougon, le garba ne laisse presque personne indifférent. Depuis la classe de terminale déjà, on venait très souvent ici. C'était une idée à notre ami, enfin celui-là, Serge. C'est lui qui a proposé qu'on vienne une fois et on est venu, on a goûté. On a vu que c'était vraiment bon. Donc voilà, ça fait que maintenant, après les cours, on est toujours abonné. Même que là, maintenant, on est à l'université, mais on vient toujours parce que c'est bon. Moi, en tout cas, quand je me déplace de l'école pour venir manger ici, quand je me lève, je sais que je suis au top pour l'après-midi, quoi. Parfois, enfin, je n'arrive pas à manger à la maison le soir parce que je suis au top. Et c'est pas trop coûteux, quoi. Donc, 500 le plat, juste, ça fait plaisir pour une journée entière. Ça peut aller. Ici à Cocody, chez Ibo, il y a toujours affluence. Et même si de nombreuses personnes s'accordent à attribuer à ce succès des pratiques mystiques, ce Nigérian dit n'avoir qu'un secret, l'héritage laissé par son père. Des filles, même nous-mêmes, on n'est pas encore nés, même les vieux, ils sont derrière nous. Ils vont garder ici jusqu'à ses enfants, maintenant ils sont grandis. Maintenant c'est eux qui sont là, maintenant il faut voir maintenant. Ça a dépassé 30 ans même quand ils vont garder. Au deux plateaux, les clients se bousculent devant ce garbadrome pour se faire servir. Et ce, en dépit de l'hygiène des lieux qui laisse à désirer. Ça mange souvent. Il peut finir 5 ou 6 chercher des trucs comme ça, par jour, c'est à checker là. De toute façon, aussi, on peut finir 2 sacs, 50 kilos là. Le garba, c'est un outil qui est beaucoup aimé par les Ivoiriens. Donc, ils se disent que, quel que soit l'endroit où c'est fait, bon, ce sera forcément bon. Que l'endroit soit sale ou propre, l'objectif c'est de bien se nourrir. Nous sommes craqués pour ça. En tout cas, le garba a de beaux jours devant lui. Les lieux de vente de la sémoule de manioc au poisson-thon se multiplient. En plus, le prix est à la portée de tous.